Et bonjour à tous les petits amis de YouTube, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va jouer quoi du druide miracle et du druide meule avec l'utiluti. Eh c'est moi. Salut. Putain l'intro de merde. Ouais. Et donc, trop bien mon intro mec. C'est la tienne oui, mais je l'ai ruiné. On se retrouve aujourd'hui pour une partie d'Hearthstone. Donc du coup tu m'as dit que c'était nul contre aggro, donc nul sur Hearthstone. Alors un peu, mais en vrai par contre tu peux victime les contrôles tu vois. Ah, j'ai enlevé mon casque. Genre. Ok, et donc t'as, c'est le réno avec le plus de doublons de l'histoire du jeu aussi. Un peu comme le rogue meule. Ouais. Comme à l'époque. Donc, coup, le concept, je vais essayer de l'expliquer comme ça, on va faire une explication by noob et tu vas ça, expliquer derrière. Ça, je pourrais dire que t'as tort. Exactement. Après, génial. Tu seras content. Donc du coup, yes, il y a moyen. Oh, c'est Pavel 1, 1, 1, 1. C'est pas le vrai Pavel. À mon avis, non. Donc du coup, l'objectif, c'est de piocher tout son deck pour à la fin faire commissaire priseur, mettre plein d'idoles de jade dans ton deck, et genre plein, et ensuite t'as gagné. Parce que du coup t'en as plein, et lui il a plus de 4, t'en as trop. C'est plus ou moins l'idée, mais en fait généralement tu te retrouves avec en permanence une à trois idoles dans ton deck, et les autres tu les joues en créature, tu vois. Ok, ah d'accord, donc tu joues la dernière en x3 dans ton deck. À chaque fois. Alors, pour pouvoir continuer en avoir dans ton deck. Du coup il va se passer un truc très bizarre à Smulgan, et tu vas avoir très peur de ce que je vais faire, mais... Ah t'enlèves carrément l'innervation. En fait l'innervation tu veux pas l'avoir en main de départ. Tu veux l'avoir sur la fin de la partie, c'est ça. T'as rien que tu veux développer tôt en fait. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Genre, ton but au début, c'est juste de piocher et de gérer les créatures de l'adversaire. Donc du coup, donc ce qu'on veut voir en main de départ... Ouais, voilà. En main de départ, on veut voir genre contre ça... Donc là, c'est un Reno Jackson démoniste, on imagine. Mm-hmm. On imagine. En main de départ, on veut voir quoi? Amasseur de butin, croissance sauvage... c'est tout ce qu'on garde, je pense. Ok. Et peut-être tu veux une petite acclimatation, une petite charpie contre les chamans du moment, vu qu'il y a pas mal de 7-7 qui sont back in the game. Ouais, par exemple. Juste au cas où quoi. Vu que t'es quand même un deck donc, du coup très très lent qui va mettre beaucoup de temps à mettre en place son plan de jeu. Et tu vas quand même un petit peu le meuler du coup, c'est l'objectif? Oui, en fait je vais pas vraiment le meuler, je vais plutôt le faire défausser des cartes. Genre l'idée c'est de jouer Murloc et Acclimatation dans le même tour, genre okay, pour gérer une grosse créature. Genre c'est plus le surprendre plutôt que de donner l'information que tu meules quoi. Bon, c'est un bon top deck. Donc en fait oui je vais pas le tuer à la meule. L'idée c'est de toute façon je le tue avec les golems de jade normalement. Ok. Mais par contre je vais détruire des cartes de son deck. Genre l'idée c'est de casser sa combo en faisant Murloc Acclimatation autour. Il joue son géant, il défausse 3 cartes et il est salé ouais. Et il est salé. Parce qu'on rappelle évidemment que le Unlock a l'intérêt de piocher beaucoup de cartes pour le Drake, pour le géant. Et puis juste pour avoir en général plus de solutions. Pourquoi il pioche pas d'ailleurs lui? Je sais pas, il est un petit peu agaçant. Est-ce que c'est pièce nourrir ou est-ce que c'est... Colère juste. Je crois que j'aime bien colère hero power, c'est fine. Genre colère hero power, trade. Pour le moment on a pas du tout envie de lui dire ce qu'on joue et on n'a pas envie de craquer la pièce parce qu'elle est trop forte avec le commissaire plus tard dans la game. Parce que en fait si tu veux, t'as jamais assez de draw dans le deck. Genre tu veux toujours avoir au maximum de pioches parce que vu que tu mets des idoles de jade encore dans ton deck, il faut quand même les piocher ouais, pour pouvoir ensuite faire plein de golems. Mais dans le idoles même de jade, tu commences à le faire du coup le tour où c'est là où t'as plus rien dans le deck quasiment, oui, c'est ça. Je le joue pas avant, je okay, le joue jamais avant la fin. Ok. Et donc du coup après comme il disait, t'en mets 3 dans le deck, t'en fais pop 2, t'en remets 3 dans le deck, t'en fais pop 2, enfin tu ouais, fais toujours en sorte qu'il y en ait un, mais tu fais pop le plus de golems de jade pour être sûr que en général le tour, genre l'avant-dernier tour, après tu vas avoir que des 6-6, des 7-7, des 8-8 et ça va commencer à partir en kékévé. C'est l'idée. Moi, je pense qu'on pioche là. On y va. Alors, géant arcanique, ça c'est un peu ma win condition contre Rogue. C'est genre, je parce que ça coûte 0, il les sape et il les retue. Ouais, ouais. Ça, je peux gagner que comme ça. En fait, le but du géant arcanique, c'est d'être là pour fixer les matchups qui sont gagnables autrement. Bonne nouvelle. Enfin, le géant était mieux, mais le Gadgesan c'était la merde, c'est ça? Le Gadgesan, j'avais probablement perdu direct, tu vois. Ouais, si, genre juste le trait de l'ombre, un truc comme ça. Maintenant que je le vois là, je suis soulagé, tu vois. Ouais, il est passé quoi. Et il ouais, est pas passé ça, avec Bran aussi, ça c'est une bonne nouvelle. Ok. Et bah, deuxième commissaire. Ah, c'est pas terrible ça. Uh-huh. Est-ce que tu y vas là? À base de commissaire, pièce et. Je crois pas. Et ça. Je crois pas, mec. J'ai l'impression que c'est genre croissance sauvage, racine vivante là, hero power pass, tu vois. Ok. En même temps, ça semble logique. Enfin, ça semble pas mauvais comme play. Ouais. Puis tu sais qu'il va pas te mettre beaucoup de pression. On attend juste la 8-8 pour faire acclimatation et si possible, trouver le murloc du coup. Oui, c'est ça. Ce serait bien de le trouver avant parce que sinon, on lui fait pas défausser de cartes et tout, c'est nul. Puis au pire, on a Sharpie déjà. Donc, cette 2-8 elle présente pas encore trop une grosse menace. Il a pas encore joué Torisan pour réduire sa combo, tout ça. Donc. Bon après on a vraiment intérêt à lui casser une pièce de la combo, sinon c'est ouais, la merde, hein, non, genre le burst à 20 mec c'est trop la merde. Ah bah tiens. Oh là là, ça c'est très mauvaise nouvelle ça. Sur 8 cartes c'est beaucoup hein. C'est beaucoup hein.
Alors je crois que là on y va plus ou moins. Genre on fait charpie ici, acclimatation à gauche, comme ça il va avoir une carte de la charpie dans Ok. sa main et Il va défausser deux cartes du coup. ça va lui brûler deux cartes, c'est Nous, ça? on lui en défausse une. Et en plus de ça, il en défausse une à la pioche. Et derrière, est-ce que tu peux. Bah je peux croissance. Tu peux pièce Je géant, je peux crois lui. aussi. Je crois pas que j'ai envie de le faire, je pense que je vais géant en même temps que commissaire au tour d'après, genre. Ok. Genre j'aime bien faire ça. Ça. J'en ai peut-être pas obligé de la clim maintenant, mais je pense que c'est correct en vrai. Crame-lui les pièces de la combo! Attention. Red Non. Bomb c'est pas top. Leroy! Ombre Flame c'est pas top non plus. En vrai si c'est pas trop mal parce que genre c'est une AOE de moins pour gérer tous les géants à la fin. Et après, le trade long, c'est pas si mal parce que c'est un truc qui one-shot tes commissaires, mais bon. Après, tes commissaires, logiquement, ils ont tellement de value juste sur le tour où tu les joues que c'est gagné, quoi. Enfin, ils ont pas besoin de survivre. Tu vas voir au genre le truc qui serait vraiment jouissif à lui faire détruire c'est le néant parce que s'il le joue pas mon pote Ouais. Ouais, j'avoue. Lol. Ok. Deuxième acclimatation, please. Demeura. Donc là, tu vas y aller quand même. Ou deuxième charpie. Commissaire, ou Ouais, allez, innervation, ou machin. là on y va. Bon, c'est con ça. On commence par la pièce. La deuxième charpie La du top charpie, deck. on se met yard. Et Et on tu peut joues un des deux double géants quand géant. même. On peut double géant en vrai. Est-ce que tu joues les deux? Ouais, j'aime bien. T'as pas peur du néant distordu? Bah, en fait, ça l'oblige à le faire. Ok. Et il fera rien d'autre de son tour. Du coup, genre, ça me paraît pas mal. On va pouvoir juste nourrir au prochain tour. Aller chercher Bran et les Murlocs. Alors. Là, il est vraiment obligé de néant. Ouais, là t'as pas le choix là. What? Oh, il a pas d'ombre flamme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Néant après. Parce qu'il s'est dit que s'il faisait le néant avant, il pouvait pas le jouer la Il pouvait 4-5. pas Il avait jouer pas de parce qu'elle mana. était pas Et réduite. donc il Ah était non obligé de la jouer mais avant, bah évidemment. forcément, Évidemment. Ok, c'était juste un siphonné, donc ça veut dire qu'il va même pas gérer il la va pas 4-4. pouvoir gérer ça. Donc ça veut dire que ton ouvrir, il te fait piocher 4 cartes. Bon. En vrai, s'il peut pas tuer Ah ça, si, c'est il la va le merde. gérer. Ah, mais du coup, il a plus la PO pour pour la combo. Et là on a un balayage, mon gars. Qu'est-ce que c'est? Oh, il va trade la 8-8 plutôt. What Oh mon dieu, il décide. Oh mon the dieu! fuck? Il a tué Oh, le Kusama. balayage de l'espace, mon gars! C'est super combo avec PO, n'empêchera. C'est improbable. Tu Bon, commences bah, par balayage. balayage ça, je pense. Ah bon? Tu Je suis voulais pas sûr, face? c'était peut-être face. Non, mais c'est mieux comme Non, ça. bah si, si. Alors, ça pour être extra, c'est extra, mon gars. Je sais pas si je le fais pas tout de suite, ça. Tu peux, je pense, là y J'en aller. ai Hein. 3 dans mon deck. Ouais. De toute façon, j'ai encore plein de pioches là. Alors, il faut savoir que du coup, quand t'en mets 3 dans ton deck, la première pioche que tu peux faire ne peut pas être un de ceux-là, c'est Oui, ça? c'est Parce que ça. c'est d'abord sa D'abord, ça pioche, met et sa ensuite ça pioche, met les ensuite ça 3. met les 3. Ok. C'est ça, exactement. Du coup, tu pouvais pas rechatter d'en trouver d'autres. Non, pas là. Et là, il se dit, mais attends, yo! Mais attends, yo! Attends, il joue les trucs de Jade! Pourquoi il a pas joué les Wouhou! Tu vois? Il se passe un truc là. Oh là là, c'est bon ça pour nous. Il va piocher deux Pioche de cartes. cartes, c'est une très bonne nouvelle pour nous du coup. Parce que là, En on plus, je voit crois pas. qu'il a, il a pas de solution dans son deck pour tuer ça. Maintenant, vu que le trade long est Genre, done. sa seule solution, c'est Leroy, genre. Oh là là, il est tellement pas frais. Est-ce que c'est un tour de Drake balayage? Je le demande. Oh putain. Mon dieu. Comme. Ou alors. Ou On alors. trouve les. Oh Ou non. Ok, alors. vas-y, vas-y, on trouve les Murlocs, on Franchement, trouve j'y les vais, Murlocs. hein. Il voulait que ce soit trop drôle, mec. Oh, oh là Ça, c'est pas mal. là. Ça va partir tellement en couille, mec. Tu fais nourrir pour le mana, non? Oh là là, tu fais piocher avec les Murlocs d'abord. Non, parce que j'ai Bran pour ça, tu vois. Je préfère le garder pour Bran, ça. Donc tu fais nourrir pour mana? Ça t'a pioché 2? Et Ça t'as me fait re 2 de piocher mana? 2 et j'ai encore 2 de mana pour jouer les idoles. Là, C'est ça. je suis presque sûr d'en trouver une. C'est trop drôle. Ceci n'a pas de sens. Donc, celui-là, je peux le jouer comme ça. Tu le joues encore en créature là, il t'en reste un autre dans le deck, donc tu peux le Non, jouer parce en. que je vais le défausser si je fais ça. Ok. Non, je vais pas le défausser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Si, mais 9. si, Si, tu pioches deux cartes, si, ouais. je vais Donc le il faut en mettre 3 forcément parce que Ouais. t'as peur de les défausser sinon. Parce que là, de toute façon, je peux pas piocher ce que je vais mettre C'est quoi dedans. la dernière carte que t'as du coup? Bah, Ah, bah c'était c'est énerve. l'innervation. Je peux le faire tout de suite en vrai. Bah ça va te faire. Non, juste défausser les cartes. Ouais, c'est débile. Non, ça va te faire défausser plus Ouais, de c'est cartes qu'autre débile. chose. Non. Ouais. Par contre, t'aurais pu peut-être suicider. Pour Non, faire faux. innervation Hero Power ou innervation colère, mais non, mais même. Ouais, mais il y a même plus Shadow Flame donc j'ai même pas envie de faire ça. J'ai envie de laisser les 4-4. Ok. Le truc, c'est qu'il nous reste aucune 4-4. Est-ce que Ouais, tu gagnes quand même? bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bonsoir, bien sûr. Alors, Drake là du coup, on balayage? peut faire Drake, Thalnos, Innervation, Balayage. J'ai même pas vu, ouais, c'est ça me fait énerver. Yep.
Non. C'est un petit peu vénère. Et t'en remets 3. Je remets 3. Oh mon dieu. C'est rigolo quand même. Bah, c'est super, c'est super. Quand, contre bien, les decks créneaux, c'est super drôle en fait. Parce que si tu survis en fait, c'est juste. Pour me démarrer, c'est vraiment très drôle. Et là, du coup, il nous reste encore Bran, double Murloc. Donc on peut le faire piocher 8 cartes. Il reste 6 cartes dans son deck. Et nous, on va pouvoir du coup remettre des idoles pour pas être comme le recrutement quoi. Le même concept que le recrutement. C'est bon ça. C'est trop cool, mec. On a pioché tellement de cartes. Mais en vrai, on est content de piocher à l'infini, tu vois. Ouais, c'est beau. C'est ça qui est trop cool. C'est beau comme jeu vidéo. C'est ça qu'on aime. Et donc le Redon Jackson, il est jouable que quand il te reste 0 carte dans le deck ou une carte. C'est ça. Parce que la plus longtemps sera toujours 2 idoles déjà. Donc t'imagines les gens qui t'insultaient déjà parce que tu mettais Redon Jackson dans ton, dans ton truc. Comment ils vont penser de ce Redon Jackson là? Ils vont être en mode non, mais ça n'a aucun sens, monsieur. Bon, alors là, faut quand même gérer ça. Ouais. Bah, il mange sa colère à 5 quand même. Hein. C'est vrai qu'il va manger sa bonne colère à 5. Ça fait plaisir. À 5 manatas ou pas. Attends, est-ce qu'on ferait 3, 4, 4, et ensuite, du coup, comme ça, on pioche une carte de plus et on peut faire une idole de plus dans le tour ? Vas-y, monte. Peut-être que c'est... Ça change rien. Tu vas suicider les deux dedans anyway, donc autant faire à 3, ouais. Fais ça, ça. Donc là, c'est le tour où tu forces le néant avec plein de petites créas ? Ou c'est le tour où... C'est le tour où je commence par... 2-2. 2-2. Ah, attends, c'est compliqué. Il faut que j'en mette un quand même dans mon deck. Ok. Ensuite, il faut que je joue un Murloc. Je pourrais jouer Bran et un seul Murloc ensemble. Je pourrais pas jouer les deux. Ouais, je suis d'accord. Donc, pas prendre de risque. Ensuite, là, je peux faire que des. Ouais, là, t'en as encore dans ton deck. Hein, de toute façon, des golems. Donc là, tu fais que ça pour forcer une Néant Distordu ou la dernière AOE qui reste. Le Siniscal Porter. Donc, ça veut dire qu'il pourra pas avoir de deuxième PO. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas mort sur Leroy PO et Faceless machin. Il faut faire attention, c'est un combo à 12 quand même. Ça fait mal. Hein. 12 et 4. Ok. Donc là, normalement, au prochain tour, on peut réno aussi, au pire. Oh, il pioche encore. Oh, c'est bien ça pour nous. Enfin, si on va réno, ça sert à rien en fait, mais. Ça dépend ce qu'il fait avec ça. Normalement, il est censé trade. La face. Ok. Je pense que c'est réno à ce tour. Ah, attends, parce que là, Reno est activable parce qu'il te reste pile poil de cartes, ok. Ouais. Tu veux pas Hero Power dans quelque chose d'abord? Est-ce que t'as envie d'Hero Power dans quelque chose? C'est une question. Bah, je crois pas. Hein. Je pose la question. Ouais, non, mais je sais, mais je crois pas. Ouais, genre, y a pas de bonne cible quoi. Poser la question, de toute façon. Y a pas de bonne cible. Donc là, on fait Reno. Et là, tu ensuite, peux faire on deux. En remet... Non, on n'a pas besoin d'en remettre dans la question. Ouais, tu peux faire juste une 6-6, une 7-7. C'est ça. C'est une horreur. C'est trop drôle, mec. C'est une horreur ce deck. Moi je kiffe. Ouais, non, c'est super drôle, tu vois, faut que ça marche quoi. Ouais, normalement c'est la merde pour lui, il est obligé de néant là. En tout cas, il a trouvé cette partie extraordinaire. Oui. Extraordinaire. C'est bien qu'on soit en 4500 de gens parce que les gens ils commencent. Enfin, il y a peut-être un peu moins d'aggro non à ce rang là. Non. Non, vraiment pas. Tu sais, il y a tous les mecs oh, désespérés qui il a pas d'ombre flamme. Essayer de revenir, tu vois. C'est un manipulateur. Je crois que j'ai l'étal. On a l'étal, ouais, bah tu fais face, Bran Murloc, c'est déjà fini. Hein. Enfin, tu mets d'abord 3 dans ton deck histoire de pas trop prendre toi. Mais face, Bran Murloc, 100% c'est fini. Ouais, large. Même tu peux le faire sans mettre l'idole, mais bon, pour ouais, le mais principe. C'est un peu BM, tu vois ça. Je suis obligé. GG. Ouais, what a game. Ils étaient sont pas prêts. Oh. Bien joué. Extraordinaire. Il prendra encore 5 au début de son tour, la base. Bon bah GG Pavel, incroyable. On a champion du monde. Genre, nouveau champion du monde. Bah attends, Tolk a battu une fois le champion du monde, donc il est champion du monde. Hein. C'est automatique, hein, c'est comme ça. Bah du coup les amis, j'espère que cette petite decklist vous a bien plu. Exactement, on se retrouve pour plein d'autres vidéos, passez de bonnes vacances. C'est ça, je pense que la prochaine ce sera du Rogmul. Exact. On essaye de le ramener à la vie. Et n'oubliez pas, le Père Noël existe. Des bisous à tous les enfants. À toutes. Et aux autres.